c'est assez remontant, mais on va commencer la journée au Paris Animal Show. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Si je peux vous parler, je vous parlerai, parce que j'entendais grand chose. S'occupe de faire des ventes qui ont été données au profit pour les koalas donc en Australie. Donc on a fait quelques petits achats, je vous montrerai ça, mais je vous montrerai tout simplement rapidement. Donc voilà, ce sera au profit des koalas 100%. Tout ce qui est vendu sur le stand a été donné par les boutiques qui sont aux alentours sur le salon. Thank you.
Donc voilà ces images pour terminer. Donc il est bien tard, je pense qu'ils doivent être 23h30. Donc voilà le résultat de ce qu'il y a eu d'acheter leur duo. Je vous tournerai une vidéo prochainement. Donc moi je vais la tourner demain, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la publier, mais très rapidement, promis. Pas mal d'achats, mais quand même assez raisonnable, on va dire. Donc merci encore à Camille et à son chéri Max pour m'avoir covoituré tout ce jour-là. Ça a été super, super cool et moi ça m'a permis vraiment de me reposer, ce qui était pas négligeable parce que j'étais vraiment crevée. Comme ça, pas d'angoisse sur la route. Donc ça c'était cool, donc ça intéresse Miss Lexi. Et donc voilà. Donc moi j'allais me coucher, je sais pas du tout la tête que j'ai, j'espère que je suis encore assez présentable. Donc je m'occuperai du montage demain, honnêtement. Là je vais aller me mettre au lit parce que j'ai besoin de me détendre un peu. Trop contente parce que le salon était quand même assez petit, mais les marques changeaient sur place. J'ai été reconnue par énormément de marques, énormément de stands, ce qui fait énormément plaisir. J'ai pris plaisir à discuter avec différentes marques sur leurs produits, des produits que je vais vous parler dans des vidéos exclusives. J'ai trouvé les cadeaux d'anniversaire pour Miss Lady, donc profitez-en pour me dire en commentaire à votre avis qu'est-ce que je lui ai bien pu lui trouver. Donc j'ai passé la journée avec Cécile, j'ai vu donc des dédicaces à tous les abonnés qui m'ont reconnu et qui sont venus me parler. Donc vous étiez au total 3, si je dis pas, on va dire 1 plus 4, parce que j'étais assez surprise, c'est que je suppose que c'était le papa de Mylène, qui est de Mon Animal au Naturel, qui regarde apparemment mes vidéos. J'étais assez étonnée. J'ai découvert que j'avais quand même un public d'un âge plus mature que je l'aurais cru. Franchement, les personnes qui m'ont abordé aujourd'hui, j'étais assez étonnée par l'âge du public que j'avais aussi, qui est très dans l'ombre et qui ne discute pas pendant les vidéos. Mais ça fait plaisir de me rendre compte que je peux toucher tout type de personnes, de milieux différents et d'âges différents, et ça fait vraiment plaisir. Donc encore une bonne journée. Donc je vous tourne le haut le demain, bien entendu. Je vais aller me coucher et on s'occupera de tout ça demain. Donc puisque Lexi a un petit regard tout attendrissant, et bah... c'est elle qui fera la conclusion. Donc on vous dit à demain on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou.